Quand ils arrivèrent à Ambleteuse, ils n'étaient pas encore au bout de leur peine. Il fallait terminer au plus vite la construction du camp pour la revue de l'empereur. Aussi la garde posa-t-elle le fusil pour prendre la pelle et la pioche, sans toutefois cesser les exercices de débarquement. Hé hey, vous connaissez la nouvelle, camarade? Je dis toujours, on verra bien si on connaît. Margot Lajoie vient d'ouvrir un cabaret à une demi-lieue d'ici sur la route d'Ambleteuse. Sans blague, elle a vendu sa guimbarde et son cheval? Non. Elle s'est mise dans ses meubles pour la durée du camp, afin d'être avec nous quand nous débarquerons en Angleterre. Mais elle connaît le patois du pays? Ah, mais je crois pas, non. C'est pour retrouver un milord, qui était son bon ami à Londres. Et c'est pas tout, hein. Elle a engagé deux petites servantes qui sont jolies comme un cœur. Et non, elle serait peut-être contente d'avoir les anciens d'Italie. Elles sont comment, ces servantes? C'est deux petites brunettes, et qui ont eu des faiblesses pour la garde, à ce qu'on m'a dit. Il serait peut-être bon de lui faire une visite de politesse. Où en est-il? Ben, je pense bien qu'on en est. Ça vaut le coup, non? Il y aura des surprises. Faites verser vos rations à l'ordinaire. Bien entendu, mon capitaine. Et ne vous saoulez pas. Oh, mon capitaine, comme si on était des gens à voir. Tu me prends pour un conscrit, Godaï. Ce que j'en dis, c'est pour votre sécurité. Il se passe de drôles de choses dans le camp de Boulogne. La campagne est dangereuse à la nuit tombée. On ouvrira l'œil. Tu viens pas danser, Jean Roch? J'ai pas le cœur, Jean-Louis. Viens-tu me faire danser, mon grenadier? Je serais bien volontiers, Javotte, mais je ne sais guère. Je t'apprendrai. Alors, mon gars, tu rêves à ta payse? Je n'ai pas de payse, Margot. Ben dis donc, mon gars, ça va pas? C'est un soir où il a le vin triste, ça lui arrive. Oh! Pourquoi que t'es pas de la fête, comme tes copains? Bon, faut croire que j'ai pas le cœur à la joie. T'es un drôle de pistolet, Jean Roch. Je t'aime bien, la marque. Ça me fait chaud au cœur de te revoir. Bon. Combien je te dois pour le vin et les repas? Allez, ramasse ça, grenadier. Ce soir, vous êtes mes invités. Merci, Margot. T'es tellement pressé de partir. Je veux pas être un empêcheur de danser en rond. Bois un coup, ça ira mieux. D'accord, mais c'est le dernier, hein? Maintenant, je laisse les amis et je rentre complètement. Il se fait tard, Coignet. Attends les autres, je t'assure. Tu leur diras, ils comprendront. La nuit est mal fréquentée. Avec ça, ma belle, je n'ai pas peur du loup. Plus d'un pharo s'est retrouvé le matin dans un fossé, les pieds froids. Il y a du drôle de monde sur les chemins. Cet objet-là, ça coupe et ça pique. J'ai 50 salles vivant d'hier, et je sais m'en servir. Je ne dis pas non, mais tu connais l'armée de la lune. Oh, c'est une histoire de croque-mitaine. Oh, faut pas croire, Coignet. Tout le monde en cause et personne ne l'a vu. Mais parce que ceux qui l'ont rencontré ne sont plus là pour le dire. Bon, eh bien raconte, puisque tu les connais. C'est peut-être un gars de ton ordinaire, avec qui tu partages ton pain. Peut-être l'ordonnance de ton capitaine. C'est la suite de l'armée roulante. Tout pègre, goépeur et ferlampier. Et pas un pour racheter l'autre. Tout ça a commencé à la campagne d'Argonne. Il fréquente chez toi? Dans mon commerce, va savoir. Bien sûr, c'est du tout venant. Un mot, des fois, que j'ai entendu ailleurs. Un clin d'œil pas catholique. Rien de sûr, tu comprends, grenadier. Les uns ont rompu leur banc. Tiens, ceux-là viennent des bagnes de Rochefort et de Toulon. Et t'en as souvent dans ton commerce? Pour ce qui est de distinguer un bandit d'un bon garçon sous l'uniforme. Je suis encore trop bécasse, grenadier. Malgré mon état de cantinière et mon expérience de l'homme. Bon, eh bien, bonne nuit, Margot. Je reviendrai te voir. Mais vous, les hommes de la garde, vous êtes plus visés que les autres. À cause? Oh, c'est une blague. Mais la double paye, les anneaux d'oreilles et les boucles d'argent. Ah, c'est juste, tout ça, ça coûte des sous. Tu me bottes, conscrit, prends garde à toi. Moi aussi, je t'aime bien, la Margot, hein. Et c'est pas d'hier. Mais d'un sens, ça me déplairait pas de frotter tes soldats du clair de lune.
Rien que pour me changer les idées. De la lune, va. Eh bien, grenadier, n'avais-je pas raison? D'un sens, oui, mon capitaine. Mais d'un autre, c'est eux qui auraient dû se méfier. Ah oui, je sais. Le colonel est content de toi. Je leur ai fait lancer une bourrée de ma façon. Premier coup encore. Ouais, le deuxième a passé l'arme à gauche chez nous pour la ramasser une heure après. Quant au troisième, hein? Oui, son compte est bon. C'est un canonnier de marine. Il a rejoint sa batterie, le bras taillé jusqu'à l'os. Son officier l'a fait fouiller. Il avait 3 montres et 8 anneaux d'oreilles dans sa poche. Ces brigands-là déshonorent l'armée. Celui-là graisse ses bottes pour défiler tout à l'heure à la caponnière. Patron, halte! Reposez-vous sur vos armes! Par le flanc gauche, bof! Ainsi passaient les jours au joli camp de Boulogne.